Et j'y étais. Alors, j'ai fait autre chose entre-temps, j'y suis revenu, mais on a créé le tout premier programme de formation des maîtres en mathématiques, en utilisant les technologies et, à distance. La TELUC continue ses travaux, et en 1992, j'ai créé le centre de recherche LICEF, qui est le centre de recherche de la Téléuniversité, et actuellement, je dirige le laboratoire d'ingénierie cognitive et éducative, le lycée. C'est un peu ironique parce qu'on s'adresse surtout à l'enseignement supérieur et à la formation dans les entreprises, mais de temps à autre, on travaille aussi avec les écoles. Alors, voici mon plan. Je vais parler brièvement des tendances technologiques et de leurs impacts sur l'enseignement supérieur. Ensuite, je vais traiter des référentiels de ressources en soi et des outils dont on a besoin pour les utiliser. Ensuite, je vais me concentrer sur l'agrégation des ressources. C'est l'élément central parce que personne ne va utiliser les ressources telles quelles si on ne les regroupe pas dans des ensembles cohérents, que ce soit l'étudiant qui le fasse ou que ce soit les professeurs ou les concepteurs. Et ensuite, je vais traiter de la personnalisation des environnements, qui est un problème extrêmement important, et finir par énoncer 7 ou 8 principes de scénarisation. Auparavant, je vous affiche un peu notre trajectoire en 3 dimensions. On a travaillé sur la modélisation, on a développé plusieurs outils de modélisation graphique qui nous servent à modéliser les connaissances, modéliser les compétences, faire la scénarisation pédagogique, préparer les modèles de diffusion. La ligne centrale, c'est la ligne méthodologique. On a développé des méthodes en nous servant des outils de modélisation. Donc, on a développé les méthodes d'ingénierie pédagogique. Et on a travaillé aussi sur les campus virtuels. On a développé 2 plateformes, 2 LCMS, et des outils ici de gestion. Et surtout de ça dont je vais parler, de gestion des ressources. Et tout ça a été intégré dans un système qui nous sert surtout à faire de la recherche et soutenir des projets de doctorat qui s'appelle TELOS, dans lequel on retrouve tout un ensemble d'outils, éditeurs de scénarios, éditeurs d'ontologie, éditeurs de compétences, référencement sémantique des ressources et des agents conseillers. Alors voilà pour le laboratoire et le centre de recherche. Maintenant, les tendances et les impacts. Alors, ce que j'ai affiché ici, c'est le Horizon Report. Il y en a un chaque année. C'est celui de 2008. Et en 2008, leur rôle, c'est qu'ils essaient de prédire où s'en vont les technologies. Et voici ce qu'ils disaient. On s'en va vers de nouvelles interfaces de communication entre humains et ordinateurs. On s'en va vers la création collective et le partage des connaissances à travers les systèmes. La production de contenu par les usagers, ou ce qu'on pourrait appeler la prosommation, c'est-à-dire production et consommation des ressources notamment. Socialisation via les réseaux. Plus d'importance aux interactions, pas uniquement à l'interaction avec des contenus, avec des objets d'apprentissage, mais une emphase sur les interactions, l'affichage en 3 dimensions, la réalité virtuelle, des appareils personnels multimédia comme plateforme pédagogique. Évidemment, on a tous des téléphones intelligents et des tablettes. Et évolution de tout ça vers une plateforme unique et omniprésente, l'Internet social et sémantique. Alors, je vous laisse juger, c'était en 2008, on est en 2017, c'était il y a 10 ans, bientôt 2018. Est-ce qu'on est rendu là? Ben, presque. On a à notre disposition ces technologies-là. La difficulté, c'est de les organiser, évidemment, et puis de les organiser de façon intéressante. Alors, cette évolution des technologies, elle nous mène à de nouvelles façons d'apprendre. Alors, j'ai affiché ici la façon traditionnelle. Vous aviez un expert qui diffusait, qui transmettait ses connaissances à des apprenants. Ils voyaient la matière, mais les étudiants, pas toujours. Ils avaient l'impression qu'ils voyaient la matière. Maintenant, on est
dans une situation où l'apprenant est en contact avec diverses sources d'expertise, d'informations et parfois de rumeurs, parce qu'on trouve de tout sur le web. On trouve des informations fiables et d'autres qui sont moins, mais ce qui implique le développement de nouvelles compétences. Et les connaissances, elles, s'accroissent de façon exponentielle, d'où la courbe que j'ai mise ici. Ça, c'est inévitable et ça va continuer comme ça. Donc, on a une multiplicité des sources d'informations, fiables ou non, dans lesquelles l'apprenant et les enseignants aussi doivent naviguer. Des compétences informationnelles à développer pour choisir les sources d'informations fiables. Le développement d'habiletés cognitives et sociales, donc un équilibre à atteindre. Laisser de la liberté pour apprendre. On ne peut pas, en 2018, là, bientôt, être dans des environnements très directifs, très stables. Il faut renverser l'équation et mettre l'apprenant au centre, d'où les méthodes d'enseignement actif. Et finalement, la résolution de problèmes, l'apprentissage par projet. Et surtout, apprendre par la recherche personnelle en grande partie. Donc, l'importance d'apprendre à apprendre, de développer ses compétences d'apprentissage. Ça aussi, ça doit être notre objectif en enseignement supérieur. Alors, de nouvelles façons d'apprendre, le pendant, c'est de nouvelles façons d'enseigner. Donc, la mobilité rend disponibles les connaissances partout, en tout temps. La distance est parfois plus proche que des informations qu'on vous donne qui ne vous intéressent pas et pour lesquelles vous n'avez aucun référent de vos expériences antérieures. Alors, parfois, la distance est plus proche, peut-être rendue plus proche. Il y a un écart important qui existe entre professeurs et étudiants quant aux perceptions et aux usages des technologies. C'est sûr que les plus jeunes se sont adaptés plus vite aux nouvelles technologies. Les frontières entre institutions et entre pays s'estompent. Donc, on a une élévation progressive, potentielle en tout cas, du niveau des exigences et aussi une certaine spécialisation des collaborations. Le web social et sémantique remet en question les modèles traditionnels, donc le rôle central de l'apprenant, une certaine spécialisation des tâches. C'est des choses qu'on vit dans les universités à distance, que ce soit la TELUC, l'UVT ou d'autres. Et dès qu'on fait de la formation à distance, on a besoin d'aller vers le travail d'équipe. Et on a beaucoup de décisions à prendre. Il ne suffit pas de mettre à plat le contenu et de le diffuser. Donc, il y a énormément de décisions à prendre, d'où l'importance de l'ingénierie éducative ou l'ingénierie pédagogique, dont je vais vous parler aussi, et pour lesquelles la gestion des ressources est au centre du processus. Et puis, il y a des défis institutionnels à relever. Donc, les institutions ne peuvent plus fonctionner comme avant. Il y a des défis administratifs et organisationnels. Il y a une évolution des tâches de l'enseignant dont nos systèmes d'éducation supérieure n'ont pas vraiment tenu compte, pris en compte. Il faut offrir des moyens d'acquisition des compétences informationnelles, médiatiques, technopédagogiques aux professeurs et aux étudiants. Ce qu'on a vu ce matin, plusieurs projets s'orientent vers la formation des formateurs. Donc, il faut que nos universités deviennent des organisations apprenantes. C'est un thème qui est là depuis plusieurs années, mais est-ce que nos universités sont des organisations apprenantes, des sociétés d'acteurs qui apprennent mutuellement? Il va falloir aller vers ça. Alors, j'en arrive au référentiel de ressources. On a une décade de projets qui a débuté avec tout le mouvement OpenCourseWare au MIT, qui s'est répandu un peu partout sur le monde. Vous avez Khan Academy, il y a plusieurs projets novateurs initiaux qui ont été faits. Nous, on a travaillé beaucoup sur un consortium qui s'appelle GLOBE, dans lequel il y a 12 organisations qui sont impliquées là-dedans, et notamment l'ORNET, qui est le projet que j'ai dirigé jusqu'à il y a quelques années et dans lequel on a travaillé beaucoup sur les ressources. Bon,
Alors, le référencement par métadonnées, mais je pense que vous êtes à peu près tous au courant de ça. Donc, une ressource pour être utilisée doit être décrite ou référencée ou indexée, peu importe le terme, afin qu'elle puisse être localisée et utilisée par les utilisateurs que ça intéresse. Donc, ce sont des données sur les ressources, des renseignements extérieurs aux objets. Les ressources restent où elles sont. Donc, on peut avoir des ressources partout dans le monde, mais qui sont intégrées dans un référentiel de ressources qui en décrit les propriétés, qui regroupe un certain nombre d'entre elles. Et l'indexation ou le référencement, ça consiste à faciliter, ça a comme objectif de faciliter la recherche des ressources sur l'Internet, assurer la réutilisation sur une variété de plateformes, faciliter la gestion, gérer, protéger les droits de propriété intellectuelle et réduire les efforts et les coûts pour la réutilisation des ressources dans des contextes variés. Donc ça, c'est le référencement par métadonnées. C'est encore un processus assez long et fastidieux, mais heureusement, il y a maintenant des méthodes qui permettent de collecter, de moissonner les ressources dans des référentiels. Et il y a suffisamment de référentiels disponibles sur la planète où on retrouve déjà des millions de ressources. Alors, dans l'organisme Globe dont je parlais, on était, la dernière fois que j'ai regardé, on était rendu à 840 000 ressources de toutes sortes. On peut les moissonner, sélectionner ceux qu'on garde. On n'a pas besoin de les référencer, elles sont déjà référencées. Alors, ça, c'est un avantage du référencement. Petit exemple qu'on a réalisé, nous, on a un canal éducatif qui s'appelle Canal Savoir. Alors, on avait 945 ressources provenant de 147 émissions diffusées sur Canal Savoir, de 6 établissements québécois, alors des universités québécoises. La plus grande difficulté, ça a été de les convertir au Creative Commons, aux licences libres. Mais on a réussi à le faire. C'est ce qui a pris le plus de temps dans le projet. Après ça, la technique, c'était relativement simple. C'est de les convaincre de rendre leurs ressources libres, disponibles à tout le monde, à tous ceux qui voudraient les utiliser. Bon, on a aussi des normes de référencement. Alors, vous avez la IEEE, les licences, le Dublin Core, etc. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a indexé à la main les 945 ressources. Alors, c'est des vidéos, évidemment, c'est des morceaux de vidéos. Les 147 émissions ont été segmentées. Là, la difficulté de la segmentation, c'est d'enlever les transitions, parce que les transitions n'auront plus de sens quand on va réutiliser les ressources. Et puis, on les a indexées dans notre logiciel, que j'ai brièvement affiché tantôt, là, qui est notre premier gestionnaire de ressources, qui a été d'ailleurs développé dans un projet où on a participé avec des gens comme Stephen Downs, un projet canadien, et on les a indexés dans Paloma. Un peu plus tard, on avait un nouveau gestionnaire de ressources dont je vais vous parler plus loin, qui s'appelle Comet. Ben, on les avait déjà, on ne les a pas référencés à nouveau. On les a moissonnés, et puis on a mis ça dans une base de données RDF. Je vais vous dire ce que c'est tantôt si vous ne savez pas. Et on a pu les intégrer à un projet qu'on a fait avec un organisme français, l'UVT, des écoles marocaines, trois écoles d'ingénieurs au Maroc. Et puis, on les a intégrés dans le réseau REFRAIRE. Vous voyez, alors, le réseau REFRAIRE pouvait bénéficier des activités antérieures, des projets antérieurs et les intégrer. Alors, c'est quoi ce projet? Le portail REFRAIRE, je vais vous en parler un petit peu. Alors, vous avez l'interface ici. On décrit ce qu'est le projet. On donne accès aux banques de ressources. On donne accès aussi aux méthodologies, aux éléments méthodologiques. On a parlé ce matin beaucoup de qualité. Alors, la qualité d'un référentiel de ressources qui est destiné à être moissonné par tout le monde, intégré de différentes façons, il faut assurer la qualité des ressources. On en a parlé ce matin. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un processus pour la construction et l'évolution d'un référentiel de ressources
dans lequel se situent 5 acteurs. Alors, un indexeur, quelqu'un qui écrit les métadonnées, un évaluateur qui décide si ça va s'intégrer dans le référentiel de votre institution, lesquels vous allez choisir, et également les utilisateurs et les producteurs de ressources qui sont impliqués dans le référencement, et également un gestionnaire de projet que quelqu'un a appelé ce matin un administrateur. Alors, c'est la même idée ici. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé tous les processus impliqués par la mise en place d'un gestionnaire de ressources. Et dans le projet REFRER, c'est devenu des guides méthodologiques pour les 5 acteurs en question. Chacun a son guide méthodologique qui est destiné, qui est là pour assurer la qualité du référentiel de ressources. Bon, alors, ce qu'on a fait, bien, on a créé un réseau de référentiels de ressources. Alors, l'UVT avait son référentiel de ressources, TELUC avait le sien, l'UNIT en France avait le sien. On a aidé les écoles d'ingénieurs marocaines à développer un premier référentiel. Ils étaient tous sur des serveurs différents. On a intégré tout ça. Ils ont tous été indexés, sauf le nôtre, qui était indexé en mode Resource Development Framework. Les autres ont tous été indexés par OrioAI, qui est le logiciel utilisé en France. Et vous voyez qu'on peut avoir plusieurs gestionnaires de ressources qui travaillent sur le même réseau, parce que les ressources ont été indexées par 2 gestionnaires de ressources différents. Et au moment de faire les recherches dans le référentiel de ressources, pour trouver des ressources, on pouvait les faire aussi bien dans OrioAI que dans Comet. Alors, il n'y a pas vraiment de problème technologique derrière ça, c'est relativement simple. Donc, le mécanisme de moissonnage facilite l'interopérabilité entre les outils et les plateformes. Et toutes les normes peuvent être utilisées en autant qu'il y a un mécanisme intégrateur dans le gestionnaire de ressources, dans l'outil. Bon, l'accès aux ressources, je donne un exemple de l'interface de Comet. Il y a toutes sortes de modes de ressources. Ici, à gauche, vous avez, si vous voulez seulement les ressources produites par 1, 2, 3, 4 ou 5 institutions, vous cochez ici. Il y a un mode de recherche simple, un mode de recherche par combinaison de critères et un mode de recherche par valorisant les liens qu'il y a entre les ressources et leur contenu. En passant de Paloma à Comet, on a changé de technologie sous-jacente. C'est-à-dire que dans Comet, comme dans OrioAI, comme dans beaucoup de plateformes de gestion des ressources, on utilise des bases de données relationnelles. De sorte que les différentes ressources qui sont dans la banque ne communiquent pas entre elles. Donc, il faut tenir compte de la multiplicité des modes d'indexation. Alors, ce qu'on a fait dans Comet, c'est que peu importe quel est votre outil de référencement et tout ça, comment les ressources ont été décrites ou indexées, on va tous les ramener, on va les traduire dans des graphes RDF comme ceci. Ce que ça veut dire, c'est que la ressource ici a pour contenu un certain nombre de concepts, dont elle traite d'un certain nombre de concepts, de physique, de gestion, de peu importe. Et elle a des propriétés, donc elle a pour titre une certaine chaîne de caractères, elle a pour description un autre document, elle a pour auteur quelqu'un, ce quelqu'un fait partie d'une organisation, et après, une fois qu'on a ça, ben là on peut travailler sur un réseau de ressources selon la technologie RDF qui est utilisée dans ce qu'on appelle maintenant le web de données liées, ou si vous voulez, la 3e génération du web. Et il y a toutes sortes d'outils là-dedans là, pour pouvoir faire des recherches. Alors, par exemple, vous tombez sur une ressource ici, vous faites une recherche, on vous donne une série de ressources correspondant à vos critères. Bien là, vous pouvez passer, utiliser le lien pour dire, bien maintenant,
C'est cette personne-là là, qui a créé cette ressource-là, qui est l'auteur de cette ressource-là. Ben, donne-moi maintenant toutes les ressources que cette personne-là a produites. Alors, je veux voir ce qu'elle a fait d'autres. Et puis, comme elle fait partie possiblement d'une organisation, ben, donne-moi, ça m'intéresse beaucoup, donne-moi toutes les ressources qu'on retrouve dans cette organisation-là. Ce qu'on ne peut pas faire dans une base de données relationnelle. Beaucoup plus difficilement, en tout cas. Alors, ça, c'était un des projets qu'on a réalisé chez nous. Et puis, pourquoi on s'est donné la peine de faire ça? Bien, parce que les référentiels de ressources éducatives libres sont importantes pour l'avenir de l'éducation. Ils ont un niveau élevé de crédibilité. Ils sont garantis par des institutions reconnues, alimentés par des productions d'enseignants qualifiés. Ils contiennent souvent des commentaires de la part des utilisateurs qui sont précieuses pour d'autres utilisateurs. On ne retrouve pas ça dans une recherche Google, par exemple. Il y a des critères élevés de sélection des ressources, parce qu'on s'est donné une politique éditoriale pour choisir les ressources et les mettre dans le référentiel. On décrit les ressources selon des normes et des profils d'application internationaux, standardisés. Et puis, les recherches sont ciblées en fonction des propriétés. Où il y a aussi les droits de réutilisation là, qui sont protégés. Alors, pourquoi ça ne se développe pas plus vite? Ben, il y a énormément d'obstacles et de défis à l'adoption des ressources éducatives libres. D'abord, une attitude de conservation de la propriété. C'est ma ressource. Et soit je veux la garder uniquement pour moi et mes étudiants, puis je ne veux pas la partager. Et si je la partage, je vais peut-être faire payer les gens pour, ou encore, j'ai peur de la critique. J'ai fait ça là, comme ça pour ma classe, mais j'ai peur de la critique. Et donc, on ne va pas mettre ça dans un référentiel de ressources. Là. C'est une ressource privée. On garde ça privé. Une attitude totalement différente de ce qu'on fait en recherche, parce qu'en recherche, on veut publier nos articles de recherche, on veut que tout le monde les lise, il n'y a rien de privé, puis on ne charge pas. Ça ne coûte rien. On les donne. Et c'est bon pour le curriculum vitae du professeur. C'est tout. Et on ne fait pas ça pour nos ressources éducatives. Donc, le partage est encore peu valorisé. On a des dispositifs institutionnels fermés, rigides, cloisonnés, peu visibles. Là, c'est un problème d'organisation des institutions. Il y a une multiplicité des détenteurs de la propriété intellectuelle. Alors, vous avez, un vidéo, ben, il y a un graphiste qui a passé dessus, lui, il a mis son copyright, l'auteur a mis son copyright, etc., etc. Si vous n'avez pas pris la précaution de libérer les droits de la ressource et d'utiliser des schémas Creative Commons, vous allez avoir beaucoup de difficultés à rendre la ressource libre, véritablement accessible. Et puis, il y a la multiplicité des schémas de métadonnées, des normes, des profils d'application. Alors, par exemple, je suis au Québec et je suis dans l'enseignement collégial, qui est le niveau préuniversitaire, et je cherche des ressources. Évidemment, au Québec, ils ont été référencés par le niveau d'enseignement. Et vous voulez les trouver, trouver l'équivalent en France ou en Tunisie, ou inversement. Bien là, vous ne les trouverez pas parce que les ressources sont décrites par d'autres schémas de niveau d'enseignement. Ce n'est pas les mêmes niveaux d'enseignement. Et puis, il y a beaucoup d'autres critères comme ça qui rendent la difficulté. C'est la raison pour laquelle on a fait ce logiciel Comet, parce qu'on peut faire des alignements sémantiques entre les différents systèmes d'éducation, par exemple. Et à ce moment-là, si je cherche une ressource, en ingénierie pédagogique, bien, je vais retrouver les ressources équivalentes dans d'autres pays, et je vais pouvoir obtenir davantage de ressources comme résultat de mes recherches. Alors, donc, il faut se donner des politiques institutionnelles à l'égard des ressources éducatives libres. Je vais passer rapidement là-dessus parce que je sens que je vais arriver très vite au bout du temps qui m'est imparti. Mais essentiellement, l'essentiel, c'est de répondre à l'appel de l'UNESCO et de l'OIF. Qui incite les institutions à se donner de telles politiques. Et il faut le faire. Il faut régler toutes les questions juridiques, les questions de licence
Creative Commons dans chaque institution pour que les ressources deviennent véritablement libres. Bon, je passe au deuxième plan de mon intervention, l'agrégation des ressources dans le cadre de l'ingénierie pédagogique. Alors, les ressources éducatives libres comprennent des documents, mais aussi des outils, des acteurs, des activités où on veut les agréger de façon à ce qu'on tienne compte du fait que les acteurs utilisent et produisent des ressources pour réaliser des activités. Donc, vous voyez que j'arrive à quelque chose comme la scénarisation pédagogique. Pour que les ressources soient utilisées, ce n'est pas suffisant de les mettre dans un référentiel de ressources. Il faut être capable de les agréger dans des ensembles statiques ou dynamiques plus larges qui font un sens pour les usagers. Sans ça, les ressources ne seront jamais utilisées. Les référentiels vont rester là où ils sont, peut-être pour les curieux pendant un certain temps. Mais l'agrégation des ressources, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, nous, on propose un modèle organique d'organisation des ressources. Pas simplement, je vais revenir là-dessus. L'agrégation des ressources, je la vois comme la base de l'ingénierie pédagogique. C'est là où on construit les environnements, plus ou moins ouverts, hein, selon la pédagogie qu'on choisit, évidemment. Bon, qu'est-ce que l'ingénierie pédagogique? Ben, l'ingénierie pédagogique, c'est un processus qui permet de construire un système d'apprentissage, quel qu'il soit, quelle que soit la pédagogie, et ensuite de le diffuser, de le rendre disponible. Alors, ça se compose d'un devis, de matériel pédagogique et d'une infrastructure. Alors, on a développé une méthode d'ingénierie pédagogique qui s'appelle MISA. Certains d'entre vous la connaissent. Et elle sert essentiellement à élaborer le devis du système d'apprentissage. La façon dont on va agréger les ressources, dont on va les combiner. Alors, on a quatre axes. Modèle des connaissances et des compétences, modèle pédagogique, modèle médiatique et modèle de diffusion. Évidemment, ça, c'est là où on décrit le contenu. Ça, c'est là où on décide comment le contenu va être traité. Quand je dis « on décide », ça peut être un ingénieur pédagogique, ça peut être l'étudiant aussi. Ça peut être le professeur, ça peut être l'étudiant. Donc, il y a toujours différents acteurs en jeu. Le modèle médiatique, c'est lorsqu'on a besoin de construire une nouvelle ressource. On a toujours besoin en enseignement en ligne, on a toujours besoin de construire au moins une ressource qui est le site Internet qui aura son adresse et qui est lui-même une ressource. On va avoir au moins besoin de construire ça. Et le modèle de diffusion, ça décrit tous les processus dont on doit tenir compte quand le cours en ligne va être en diffusion. Le cours en ligne ou le système d'apprentissage. Alors, c'est un modèle qui est très souvent ignoré, mais sur lequel tout cours en ligne insuffisamment planifié va se casser les dents. Parce que si vous n'avez pas prévu un bureau d'assistance technique aux étudiants, ils n'ont pas tous la même capacité technique. Si vous n'avez pas prévu un bon système de tutorat, si vous n'avez pas prévu les acteurs adéquats qui vont accompagner la diffusion des cours, le cours ne donnera pas toute la qualité que vous espérez. Dans le modèle médiatique, sert à réaliser le matériel, qui est un autre processus. Et le modèle de diffusion permet de mettre en place les environnements. Alors, est-ce que vous voulez faire un modèle de diffusion, par exemple, c'est l'enseignement en ligne synchrone, asynchrone, la communauté de pratique? Est-ce que vous voulez que ce soit un modèle mixte, en partie en présence, en partie, en partie à distance? Bien, vous n'aurez pas la même infrastructure de votre cours en ligne. Donc, le modèle de diffusion, c'est extrêmement important aussi. On a tendance à l'appeler maintenant modèle logistique. Ça donne peut-être une meilleure idée de ce que c'est. Et ça doit être en place au moment de la diffusion. Donc, l'agrégation des ressources, quand je disais tantôt un modèle organique, on peut voir différents éléments médiatiques, des textes, des éléments sonores, visuels, qui
sont combinés pour créer des documents de toutes sortes. Donc, si vous voulez, c'est les cellules qui permettent de créer un tissu. Même chose du côté des outils. Ce sont des composantes qu'on agrège pour créer un outil. On a aussi dans le décor des acteurs qui sont représentés sur le web de données liées, sur le web sémantique, qui ont leur représentation sur Internet, par leur URI, par exemple, par leur adresse sur le web. Ils sont là. Ils ont une image sur le web. Et vous avez les scénarios, qui est un peu le patron d'intégration ou d'agrégation des ressources. Alors, là, une façon d'agréger les ressources, c'est de dire, ben, je me choisis un scénario. J'ai une approche pédagogique. Je me choisis un scénario. Je le prends. Et là, c'est un schéma de scénario. Je n'ai pas d'acteur encore. Je n'ai pas décidé qui faisait quoi. Mais ici, schématiquement, là, il y a 4 activités. Il y en a une ici. Il y a une option entre 2 activités. Après ça, il y a une activité synthèse. Alors, ça, c'est un schéma de scénario. Et puis après, ben là, on va ajouter les acteurs. Alors, ça peut être un acteur individuel, ça peut être une équipe. Ici, c'est une équipe qui va faire ces 2 activités-là. Ici, c'est un individu, une personne qui va faire celle-ci. Et puis après, on choisit les ressources, les outils qui vont servir à réaliser les différentes activités. Alors, ça nous donne une petite unité qu'on appelle nous, une fonction. Un module, et à partir de là, ben, on va organiser, regrouper les modules, on va les ordonnancer possiblement, ou pas du tout. On va laisser les étudiants choisir les modules dans l'ordre qu'ils veulent. Ça, c'est le modèle cafétéria. Donc, avec ça, on a de proche en proche fait différents niveaux d'agrégation qui nous amènent au système d'apprentissage et au cours. Donc, la réutilisation des ressources dans les scénarios. Alors, je vous donne un exemple d'un processus qu'on a réalisé avec un cours de téléuniversité. On a pris le cours. On l'a dépouillé de ses acteurs, de ses ressources. Ça donne, vous voyez, ça donne ceci là, par rapport au schéma précédent. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'acteurs, mais la structure du scénario est là. Et ça nous donne un scénario vide, ou si vous voulez, un schéma de scénario. Puis le schéma de scénario il peut être décomposé dans ces modules. Il y avait déjà des modules ici, il y en a encore là. Ça nous donne toute une série de petits modules. Et puis après ça, on va regrouper les modules. On n'est pas obligé de les regrouper de la même façon. On peut les regrouper autrement. On recontextualise, on reforme le cours. Une fois qu'on l'a, là, il y avait peut-être un acteur ou deux attribués ici. Là, ça peut être du travail de groupe, ça peut être un enseignement collaboratif, les gens travaillent en équipe. Et on ajoute des ressources. Mais avant, il y avait des ressources d'informatique, mais maintenant, on met des ressources de psychologie, on met des ressources d'autres, et puis on a possiblement 2-3 cours, et ils vont tous retourner dans le référentiel de ressources. C'est ça que quelqu'un pourra les réutiliser et les décomposer et faire autre chose. Voilà un peu une autre façon d'agréger et de désagréger les ressources. Pour faire tout ça, ben, ça prend un éditeur de scénario. J'ai vu que certains d'entre vous utilisaient Scénarii. Nous, on a un éditeur de scénario très différent qui est axé sur la modélisation cognitive. Alors, on s'est donné un langage graphique. Alors, on a différents types d'acteurs. On a différents types de fonctions. Il regroupe des activités et on a différents types de ressources et puis on a différents types de conditions à placer entre les activités pour donner la structure du scénario. Donc, on construit le scénario graphiquement, puis après, ben, ça nous donne un fichier XML qui peut être utilisé dans les ailleurs. Je vous donne un exemple ici. Ici, ce que ça dit, c'est que le schéma de scénario, c'est que vous avez une séquence, vous avez la séparation, il y a 3 activités qui se font en parallèle. Après ça, ça se regroupe, on assemble les parties, puis on fait
une autre activité. Ça, c'est le schéma du scénario. Maintenant, il y a un premier acteur, qui est le coordonnateur qui a rédigé le plan du site. Ici, il y a trois rédacteurs qui rédigent des parties du site. Après ça, ça se regroupe. Et là, le coordonnateur assemble les parties, indexe le scénario et le loge sur, dans un référentiel de ressources. Mais je pourrais très bien dire que le design du site se fait dans une équipe. Alors, je remplace cet acteur-là par un acteur qui regroupe le coordonnateur et les trois rédacteurs. Et là, ça va se faire collectivement ici. Alors, ce scénario-là, ce n'est pas un scénario d'apprentissage, c'est un scénario de conception d'un site Internet. Alors, c'est là-dessus qu'on a basé notre système Telos. Et on a étudié différents scénarios qui ont été réalisés au Québec. On en a identifié 70. On les a mis dans un gestionnaire de ressources, de sorte qu'on peut les retrouver et possiblement les réutiliser. Parce que ce sont aussi des ressources éducatives libres, dans la mesure où on les a rendues libres, évidemment. Je ne vais pas entrer trop dans le détail là-dessus, mais on s'est donné la peine, dans la méthode MISA, de faire une typologie des scénarios. Parce que très souvent, quand quelqu'un commence à faire un cours en ligne, il a en tête un seul scénario. Le scénario, c'est les activités sont en séquence, je donne de l'information par vidéo, par exemple. Les gens vont faire une activité, on leur demande de faire l'activité, puis à la fin, on va faire un test question-réponse. Ben, ça, c'est un type de scénario qu'on appelle ici apprentissage par réception, c'est-à-dire que l'étudiant est réceptif. Et s'il y a un tuteur dans le décor, ou un facilitateur, lui, il va faire une présentation. Donc, c'est le modèle du maître qui présente de l'information, l'étudiant qui reçoit l'information et qui fait un exercice et on vérifie ses connaissances. Dans le domaine des MOOC, on appelle ça des ex-MOOC. En gros, c'est un peu ça. Si on va un peu plus loin dans l'activité de l'étudiant, on va être dans des scénarios d'apprentissage par guidage. C'est-à-dire que là, le scénario est présenté à l'étudiant, mais il y a un facilitateur qui les aide sur le plan méthodologique ou technique. Le scénario contient des éléments d'information, des activités individuelles ou collectives. Un peu plus loin, on va faire de l'apprentissage par étude de cas. Et là, il y a plusieurs sous-catégories. Études de cas, simulation, jeu de rôle. On dit jeu sérieux maintenant, ça fait plus sérieux. Jeu éducatif, immersion. Ensuite, apprentissage par induction, c'est l'apprentissage par découverte. On demande aux gens de découvrir des informations sur un sujet, possiblement de structurer une page web là-dessus. Et finalement, l'apprentissage par construction, et à ce moment-là, l'assistance du tuteur est méthodologique. Alors, vous voyez qu'il faut se poser cette question-là. Compte tenu de mes étudiants, compte tenu du programme, compte tenu du niveau, est-ce que, jusqu'à quel point dois-je privilégier le constructivisme ou le socio-constructivisme ou l'apprentissage actif? Est-ce que les jeux sérieux sont toujours la bonne solution? C'est la mode maintenant, beaucoup, mais est-ce que c'est toujours la bonne solution? Peut-être pas. Alors, si vous avez un référentiel de scénario, là, vous avez des exemples de tout ça. Vous pouvez dire, oui, c'est à peu près celui-là, il se trouve à peu près ici, et c'est lui que je vais utiliser pour mon cours. J'ai parlé brièvement du modèle de diffusion tantôt. Alors, ça nous permet ici de parler du niveau du système d'apprentissage, c'est-à-dire du cours, si vous voulez, ou de l'environnement. Alors là, on peut faire une autre sorte d'agrégation des ressources. En cinq espaces, l'espace d'autogestion, c'est celui qui contient le scénario, prescrit ou évolutif, qui peut être géré par l'étudiant totalement, en partie, et où on donne les moyens de le gérer. L'espace
d'information. Lui, il regroupe les documents, les outils de recherche, les liens aux experts de contenu qui parfois vont faire des présentations, toutes sortes de possibilités possibles. Mais c'est là où l'apprenant reçoit ou obtient, peut-être par sa propre recherche, de l'information. L'espace de production, ben, c'est là où il va faire des travaux, il va faire quelque chose avec cette information-là. Donc, ça regroupe tous les outils de réalisation de travaux. Ça peut aller du simple traitement de texte jusqu'à ou du CMS qui permet de construire une page web. Donc, c'est tous les outils qui permettent de réaliser des travaux. Les outils de collaboration, ben là, c'est tous les outils de communication, d'interaction sociale. Et puis, finalement, les outils d'assistance regroupent les conseils, les liens aux facilitateurs, aux tuteurs, des agents conseillers. Aussi, on en a fait des systèmes, des agents conseillers informatisés. C'est un peu tout ça. Et encore là, il y a toute une typologie de modèles de diffusion ou logistique. Formation en présence, classe répartie parce que ça se fait par vidéo, mais tout le monde est là en même temps. Formation en ligne asynchrone, formation en ligne synchrone. L'auto-formation médiatisée, ce que j'appellerais un X-Club, parce qu'il n'y a pas de tuteur dans les X-Club. Des environnements orientés compétences. Vous donnez un profil de compétences à atteindre, un certain nombre de ressources dans le décor, et l'étudiant construit son propre trajet dans le cours. Des systèmes informatiques d'aide à la tâche, ça se fait beaucoup en entreprise, et des différents modèles d'apprentissage hybride. Alors ça, c'est des exemples de modèles de diffusion. Encore là, il y a toute une variété. Bon, maintenant, la personnalisation par les compétences. Là, en 2 minutes, je regarde mon ami Zigued, il me donne 2 minutes, ça va chauffer. Je passe par-dessus ça, vous savez à quoi servent les compétences. Bon, ce que j'ajoute, c'est qu'on a besoin d'une définition structurelle et opérationnelle de compétences si on veut faire quelque chose avec. On ne doit pas opposer connaissances et compétences. La plupart des profils de compétences se présentent comme un verbe d'action appliqué à un certain nombre de connaissances d'un domaine particulier. Et ça se présente comme des énoncés en langue naturelle. Les énoncés en langue naturelle sont en général ambigus. C'est la caractéristique de la langue naturelle. Alors, si vous n'avez pas mis de structure derrière votre énoncé en langue naturelle, vous ne serez pas sûr de ce que ça veut dire, vraiment. Donc, on a besoin d'une notion structurelle de compétences et opérationnelle pour pouvoir les comparer, les traiter, les communiquer. Alors, nous, on a défini un concept de compétences. En fait, on travaille encore sur les ontologies de compétences. Il y a plusieurs modèles qui ont été proposés à l'international. Celui qu'on propose, c'est un triptyque, c'est-à-dire une habilité ou une attitude qui s'applique à des connaissances dans un certain contexte de performance. Alors ici, on va choisir les connaissances dans le modèle de connaissances du contenu de votre cours ou dans votre domaine. Ici, on va choisir une série de verbes, mais dont la signification a été précisée. Par exemple, la taxonomie de Bloom. Nous, on a une taxonomie d'habileté et d'attitude. Et puis, une combinaison de critères de performance. Alors, ça va donner ceci. Par exemple, ici, un exemple de connaissance, un exemple d'habileté et une combinaison de critères. Il faudra que tu me donne encore 5 minutes. Alors. Et en regroupant tout ça, là, on a notre énoncé en langue naturelle, mais qui a un sens très précis. Diagnostiquer le système électrique d'une automobile de façon autonome dans des situations simples. Alors, vous voyez que la dernière partie, c'est une combinaison de critères de performance. La partie centrale, c'est la connaissance, le système électrique d'une automobile. Et diagnostiquer, c'est le niveau. Alors, c'est une entrée dans une taxonomie. Et beaucoup de gens se disent, on veut former des techniciens automobiles, on va leur donner des connaissances sur le système électrique d'une automobile. Pas suffisant. Parce que si vous parlez juste de la connaissance, ben, ça pourrait être qu'ils vont être capables de
d'écrire le système sur papier, mais ils ne seront pas capables de réparer le système électrique. Pour le réparer, il faut d'abord le diagnostiquer. Alors, d'écrire le système automobile, c'est un premier niveau d'habileté. Diagnostiquer, c'est un niveau plus élevé. Et réparer, c'est un niveau encore plus élevé. Et puis après ça, évaluer si la réparation donne de bons résultats, c'est un niveau encore plus élevé. Alors, donc, c'est pour ça que tous nos profils de compétences ont été faits de cette façon-là. Ça nous permet de les comparer aussi. C'est-à-dire, si vous avez une ressource qui traite, qui décrit des systèmes électriques d'automobiles, mais qui ne parle pas de comment les diagnostiquer ou comment les réparer, ben, c'est une ressource trop faible. Et à ce moment-là, elle ne va pas servir beaucoup dans le cours, sauf pour récapituler. Alors, je vais passer un peu plus rapidement. Parce que je n'ai pas le choix. oui. Alors, j'en ai pas pour très longtemps. Ça nous permet à ce moment-là, lorsqu'on fait la recherche des ressources, je reviens au référentiel de ressources, lorsqu'on fait la recherche des ressources, non seulement d'obtenir des ressources exactes selon notre requête, mais aussi des ressources proches, c'est-à-dire qui ont un niveau de compétence proche de celui que je cherche. Et puis, ça nous permet aussi de faire des systèmes conseillés. Et il me reste deux diapos, je termine là-dessus. Quelques principes pour la scénarisation, donc pour l'agrégation des ressources sous forme de scénarios. Construire les scénarios sous forme de graphes et de processus multi-acteurs, parce qu'il y a l'étudiant qui est au centre, mais il peut y avoir d'autres intervenants. Rendre ces graphiques exécutables sur une plateforme. Fonder ces scénarios sur une habileté générique, parce que si votre objectif, c'est de diagnostiquer, il ne serait pas mauvais que le scénario, quelque part, fasse faire des diagnostics aux étudiants. S'ils ne font jamais de diagnostic, votre cours passe à côté complètement. Bon. Peupler et utiliser un référentiel de scénarios d'apprentissage pour pouvoir les réutiliser. Sélectionner les ressources en fonction des écarts de compétences à combler. Ça vaudrait toute une présentation, on n'a pas le temps. Assurer un équilibre local des compétences entre acteurs, activités et ressources. Est-ce que les ressources qu'on offre aux apprenants sont de bon niveau pour l'activité qu'ils ont à faire? Intégrer au modèle du scénario des activités et des outils de collaboration. Ajouter au scénario des agents d'assistance, des moyens de support, de soutenir l'étudiant. Faciliter aux apprenants l'accès aux outils de scénarisation. Là, si vous voulez avoir des apprenants relativement actifs, vous leur permettez de, au moins de modifier le scénario et peut-être de le construire. Et ça, je pense qu'on va aller de plus en plus dans cette direction-là. Et puis, faciliter la gestion des compétences à tout ce beau monde, c'est-à-dire les concepteurs, les apprenants, les facilitateurs ou les tuteurs, dans un scénario méta de conception, qui est le scénario d'ingénierie pédagogique. Alors, vous voyez un peu la synthèse, comment on intègre tout cela. Et je termine là-dessus. Vous avez deux adresses. Vous avez mon site web personnel, qui est la première adresse. Et la deuxième adresse, c'est celle de mon laboratoire, où vous allez trouver beaucoup d'articles, de comptes rendus de projets, toutes sortes de choses sur l'exposé que je viens de vous livrer. Merci. Une dizaine de minutes pour des questions, et après nous passerons à la phase de la dernière présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. C'est Spartacus Kavala, enseignant-chercheur à l'université Moyen Lab à République démocratique du Congo. En fait, j'ai beaucoup aimé l'aspect lié à apprendre à apprendre. Mais je dois avouer avoir suivi plusieurs MOOC et je venais de valider un MOOC qu'on appelle CertiSup, certification de compétences au niveau supérieur. Et là, je suis sorti avec une déception, peut-être c'est ça ma question, je suppose pouvoir trouver une réponse ou peut-être avec les interventions des autres. Comment parvenez-vous à
construire vraiment les compétences des apprenants à distance pour que ceux-ci arrivent à être en mesure d'apprendre. Autrement dit, comment vous parvenez à former des formateurs à distance? Deuxièmement, pouvez-vous nous brosser brièvement ce qui peut être le profil des compétences d'un formateur à distance? Je m'attendais à ça dans votre exposé, peut-être ça ne faisait pas l'objet de votre exposé, mais je reste un peu dans ma soif là-dessus. Merci. Ben, je commence, merci de la question. Je commence par la dernière partie. Il y a des profils de compétences et j'ai déjà fait une présentation là-dessus, mais ce serait un petit peu trop long là. Mais essentiellement, ça tourne autour de l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire l'ingénierie pédagogique procède par un certain nombre de tâches et il faut que la personne, le formateur en formation, sache que ça existe. Parce que règle générale, quand on enseigne dans une université, je l'ai fait pendant des années, là, on n'a pas été formé pour la pédagogie. On a été formé dans une matière. Hein? On ne connaît pas les principes d'ingénierie pédagogique, les méthodes, les processus. Alors, ça, c'est un premier élément de réponse. Évidemment, ça implique qu'il faudrait développer un profil de compétences. Quelles sont les compétences qu'il y a à connaître? Alors là, on fait un modèle de connaissance d'une forme d'ingénierie pédagogique. Et puis après, on greffe là-dessus quel genre d'habileté le professeur doit atteindre. Par exemple, il y a beaucoup de professeurs qui se lancent en formation en ligne. Ils sont préoccupés de maîtriser les outils de l'Internet, les technologies. Alors, mais ce n'est pas à eux à faire ça. On devrait normalement, dans l'institution, leur donner accès à des médiatiseurs, à des gens de médias aussi. Et donc, il faut spécifiquement, là, le rôle du professeur devrait être axé sur les deux premiers des quatre modèles, c'est-à-dire le modèle des connaissances et des compétences, être capable de déterminer les compétences des étudiants ou les compétences visées et travailler à la stratégie pédagogique, mais de préférence à l'aide de quelqu'un qui a été formé pour ça, à moins que le professeur mette suffisamment de temps là, pour se former à l'ingénierie pédagogique. Quelle était votre première question? Est-ce que je l'ai oublié? Bon, ben c'est un peu ça, c'est ça. Je sais pas si... Ça va? Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé très riche. Lilia Shinichi, enseignante-chercheure de l'Université de Sousse, directrice du département enseignement virtuel. Vous avez évoqué dans votre exposé la conception des scénarios d'apprentissage. Est-ce que vous considérez l'évaluation comme une partie, l'évaluation des apprenants, comme une partie des scénarios d'apprentissage, ou est-ce qu'on pourrait parler d'une conception des scénarios d'évaluation et d'une ingénierie des environnements d'évaluation? Est-ce que c'est une partie intégrante des environnements d'apprentissage, oui, selon votre vision? Oui. Alors, moi, je l'ai toujours vu comme une partie intégrante des environnements d'apprentissage. C'est-à-dire que il y a vous avez un réseau d'activités dans lequel les étudiants se tracent un chemin, hein, et ce n'est pas toutes les activités qui ont besoin d'être évaluées, mais certaines d'entre elles, oui. Alors, à un moment donné, il y a une activité, vous demandez à quelqu'un de produire un essai. Vous allez peut-être décider de l'évaluer, cet essai-là. Un peu plus loin, vous êtes en mode formatif, ben, vous allez plutôt mettre des petites évaluations à chaque étape pour que l'étudiant puisse s'auto-évaluer. Exactement. Ou auto-évaluer par les pairs. Mais tout ça, ça va entrer dans le même scénario. Et à la fin, vous allez peut-être prévoir un examen en salle pour convaincre tout le monde que oui, votre enseignement est aussi bon que les autres. Donc, mon souci était, est-ce qu'on pourrait parler de open assessment resources, c'est-à-dire de ne pas parler d'une manière générale de ressources éducatives libres, mais de ressources d'évaluation, parce qu'on voit que oui, le principal souci de nos apprenants maintenant, oui, dans nos universités, c'est d'abord l'évaluation. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de retrouver facilement
toutes ces ressources, d'identifier, de les modéliser, oui. de pouvoir les référencer de manière à ce que elles soient visibles. Oui. Voilà. Absolument, il n'y a rien qui empêche de se créer un référentiel de ressources d'évaluation. Dans la méthode MISA, nous, on a fait une typologie des approches d'évaluation. Il y a qui évalue, donc les acteurs, les ressources qui sont utilisées pour l'évaluation, les activités, parce que très souvent, on ne demandera pas à l'étudiant de produire quelque chose, mais d'exécuter. Je ne sais pas si on est en gymnastique, par exemple, on va demander à quelqu'un d'exécuter et là, il y a des juges qui vont observer et tout ça. Donc, c'est extrêmement varié, les modes d'évaluation, mais tout comme les activités le sont. Et on y greffe un aspect évaluation. Moi, je vois les choses comme ça. Et cependant, ça vous donne une agrégation des ressources beaucoup mieux intégrée et vous pouvez choisir, ah oui, là-dessus, sur cette activité, je mets une évaluation. Là, on va les laisser aller un bout de temps. On ne va pas toujours être en train de les évaluer non plus. Et un peu plus tard, ben là, il y aura peut-être à la fin du prochain module, il y aura une évaluation beaucoup plus intense. Là. Et là, reste à choisir les évaluateurs. Est-ce que c'est un formateur? Est-ce que c'est l'étudiant lui-même? Est-ce que l'évaluation par les pairs? C'est des choses qu'on évalue, qu'on fait de plus en plus. Oui, je voudrais... Oui, d'accord. D'accord, ok. Oui, c'est un plaisir de vous connaître puisque j'ai suivi un cours à la Téléuniversité du Québec, mais en 98, avec des supports imprimés. Alors, étant dans le domaine aujourd'hui, et avec l'expérience que vous avez, de la phase où on n'était pas dans le numérique, à vrai dire, et aujourd'hui avec la phase du numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer la complexité qui existe dans le processus de mutation qu'il y a eu entre la phase précédente et la phase du numérique? La complexité. La complexité, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités. Alors, dans la mesure où les technologies sont de plus en plus utilisables relativement facilement, s'ouvre devant nous plusieurs options. On a beaucoup plus de décisions à prendre qu'avant. C'est ça qui rend la chose complexe. La complexité, elle n'est plus du côté des technologies tellement, elle est du côté de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire des choix qu'il y a à faire à travers les différentes possibilités qui sont beaucoup plus grandes que par le passé. Effectivement, le système TELOS que j'ai brièvement affiché au début là, a été construit sur la base d'une ontologie. On s'est donné une ontologie et on a construit le système là-dessus. Ce serait trop long d'expliquer comment. Il y a ensuite les ontologies de domaine. Il y a une ontologie pour décrire les compétences qu'on a développées en 2007 et qu'on est en train de perfectionner actuellement. Là, on prépare un nouveau papier là-dessus. On le fait sous forme d'ontologie. Et sur le web de données liées, vous allez trouver de nombreux vocabulaires qui peuvent être utilisés, sous forme d'ontologie, qui peuvent être utilisés pour la scénarisation et l'ingénierie pédagogique. Amran Egen à Salwa, École supérieure sciences techniques de la santé de Sousse. Vous avez là évoqué l'approche par compétences. On est
en pleine discipline de la santé, sciences de la santé, on est intéressé par cette approche dans notre enseignement. Et on a du mal, on est en train d'enseigner enseignement hybride, la classe inversée éventuellement, la classe inversée, mais on a du mal à choisir et à trouver des ressources vraiment viables dans les règles de l'art. Sincèrement, parce qu'on est au niveau de savoir agir complexe, c'est-à-dire savoir être, faire les vidéos qui sont mises, c'est-à-dire la fiabilité, le contrôle de la fiabilité des ressources vidéo et tout dans les... C'est-à-dire, il n'y a pas de ressources. Vous m'avez déjà, ça y est. Vous m'avez dit comme ça, ça y est, je suis bloqué. Je pourrais... Cet homme est un bourreau. Les ressources, donc approche par compétence, on a besoin de ressources. De ressources. Bien sûr, les ressources, il n'y a pas de ressources fiables. Oui, je vous comprends, je vous comprends. Et vous savez, c'est... C'est une excellente question et qui met en évidence le fait que toute cette question des référentiels de ressources est encore insuffisamment développée. Ceci dit, il y a des universités qui ont développé des ressources dans le domaine éducatif. Je sais qu'il y en a beaucoup à l'Université de Montréal. Nous, on n'a pas... On n'a pas de faculté de médecine à la TELUC, mais il y en a à l'Université de Montréal, il y en a dans plusieurs universités en France, probablement ici, mais c'est parce qu'on ne les connaît pas. Il n'y a, a pas suffisamment de diffusion qui se fait. Et je suis certain que vous pourriez en trouver. Et Gilbert, il va falloir rester 4 jours de plus, parce que vu le nombre de questions qu'il y a, question. Merci pour votre exposé. Je me présente la Madame Guyadova, enseignante à l'ISETCOM. Alors, vous avez évoqué le modèle organique. Oui. Et on n'a pas entendu d'explication. Effectivement. Merci. Effectivement, j'avais déjà trop de diapos. Je savais qu'on allait couper avant la fin. Bon, quand on regarde l'agrégation des ressources, mettons, vous prenez les ressources et vous mettez l'adresse web dessus sur une page. C'est une agrégation de collections. Okay. Par agrégation organique, j'entends cette image d'organes qui réagissent entre eux pour créer un phénomène. Notre corps fonctionne comme cela. Et moi, je vois l'avenir de la formation en ligne comme cela, c'est-à-dire que les gens, les apprenants vont interagir entre eux en tant qu'organisme par la communication bien davantage que par la diffusion d'informations. Et dans ce sens-là, ça ressemble au processus, c'est une métaphore là, mais vous voyez, ça rejoint un peu les processus socio-constructivistes aussi. Okay. Voilà. Merci beaucoup Gilbert. Donc voilà, exposé passionnant qui a intéressé beaucoup de monde. Donc nous allons passer à la deuxième présentation. Attention. Ah, you need this one? Micro ici. PC, non, le même ordinateur parce qu'il y a une projection qui se fait. Ah, they need to keep the same computer because they are maybe mixing some videos. No, because they want, they have to use this one because maybe they are taking the Okay, do you have okay. No, I'm prepared for anything. Yeah, if you can use this one, it will be better. So, I keep you, donc il va réutiliser celui-là. Bring it back up. Okay. I'm still going to keep this here because I still have recording to do. Donc, j'ai le plaisir d'introduire donc, le docteur Stephen Dowens, qui vient d'Ottawa, du laboratoire de recherche universitaire d'Ottawa. C'est le premier créateur de MOOC,
C'est quand même un exploit, c'est une référence à mon avis en la matière. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, il fait sa 481e présentation, ce qui est vraiment exceptionnel. Et il n'a pas l'air d'être prêt d'aller à la retraite. Bravo. Voilà. Comment ? Sorry, it's giving me a hard time here. Yeah, I'm trying. It's frozen. Stupid Dropbox. Bonjour à tous. Je vais parler en anglais parce que j'ai préparé en anglais. Désolé. I hope that's okay. Thank you for inviting me to this talk. It's a pleasure to be here. You what? Louder? All right. How's that? Better? Okay. So I have a lot of stuff today and not too much time, but I want to talk about the next generation of virtual learning and what we as developers and users of open educational resources will be looking at. This is the state of the art right now, and it's a bit hard to see. So this is my talk. The simple landscape that we started with 2 decades ago has become complex, and we saw some evidence of the complexity in Joubert's talk, which was completely accurate and forward-looking. This represents even more of the complexity that we're going to see in the future. Now we begin. Well, Joubert talked about these, and you're familiar with these, and other of you will talk about these.
open education resource repositories. Right now, open educational resources in the form of videos and texts, PDFs, audio files, animations, these are widely available through different repositories, and there are various systems that also enable people to create these resources. And so we've got a fairly well-developed ecosystem for open educational resources, and we're beginning now to think about where we take that next. And where we take that next in the mind of many people, and I believe accurately, is in things like open pedagogy, open teaching, things like was mentioned earlier, open assessment, things like open scenarios, etc. But these are beginning to raise questions about licensing. They're beginning to raise questions about what is the basis of open pedagogy, what is the basis of open education. And I think that a big part of this has to do with open learning and open educational resource networks. And what develops as we use technology and as we use resources openly is we develop these networks of interaction. People have heard me talk about that before. Another stream of thought related to this and derived from this is the idea of open educational resources as being produced not by content publishers, not by educators or universities or governments, but by students themselves in the process of thinking and learning openly. So we see, for example, things like the Assignment Bank in Digital Storytelling 106 by Jim Groom, his course, where he has students contribute assignments to a repository, and then other students in the class pick whatever they want and do the assignment. He's also working on something called Domain of One's Own, where students, participants in online courses, have their own website, have their own blogging engine, create resources to share among each other and for the future. And there's talk about something called renewable assignments. David Wiley has talked about this, Heather Ross has talked about this, Christina Hendricks has talked about this. Shifting from the concept of an assignment that we do in a class as something that only the teacher sees to the idea of an assignment that we do in class as something that everybody sees. So this is kind of the ground now. This is what people are talking about, but this is just the beginning of what is going to be, I think, some substantial changes in our understanding of what it means to create open educational resources and to use open educational resources. We begin to see this as the resources become more practical, as the resources become to be not just things that we use in a class, but things that begin to get used in the wider society. At UBC, for example, they've created a system of open case studies, and this is again from Christina Hendricks. They focus on topics like sustainability, on environment. The cases on this open case studies website are open educational resources, but they're also resources that are used in wider applications in the general public. We might call them, and I'm making this up right now, open social resources. There, that's a new term. You've just seen it coined, unless it's already been invented, which is also possible. We are also seeing, and this is really important, an increase in the complexity of the resources. Now, Gilbert talked about, you know, the media and the people and the roles and the scenarios and how the different parts would be put together. There are now, multiple systems and multiple ways for these parts to be put together.
here's something called H5P. It stands for HTML5 package, which doesn't really explain a lot. But the idea is that it makes it easy for people to create and share and reuse interactive HTML5 content. For example, on the left there you see a video editor. Please let that not be my phone. And this is a video editor that's created by somebody and then shared, and other people can use this resource to edit video. On the right-hand side, you see the control panel for the H5P application that they're developing. If you follow the website there, h5p.org, you'll find a whole pile of resources related to that. Another thing that Gilbert talked about that has been important to me for many, many years is the idea of content syndication. At its simplest level, content syndication, or sometimes called content aggregation, is the idea that content is produced in many places and then brought together automatically so that you can present resources from many different sites in a single environment. When we created, George Siemens and I, the massive open online course in 2008, we used an application that I wrote called Grasshopper, and the core of Grasshopper was content syndication. We combined some of the ideas that we had seen before us. For example, the idea of students creating their own resources. For example, the idea of students using things like Google Groups or Second Life or any of the other applications that were available on the internet at the time. And we set up our system so that people could use these applications and create content, whatever it was. We would bring it into the course and then share it with the other participants in the course. That's what made the massive open online course possible. It was this distributed creation and sharing of resources. What that meant was we, the instructors, did not have to produce all the content, yay, and it also meant that we did not have to interact with each and every one of the 2,000 students. They interacted with each other. That was very important. Since then, there have been a number of aggregation systems. I talked about Jim Groom earlier with DS106. He uses FeedPress, which is a plugin for the WordPress blogging engine. There's also a Google product called FeedBurner, which you can use to create RSS feeds. But that was the state of the art, maybe 5 years ago. And things are changing because it's the internet and things change. One of the big things that has happened, Gilbert talked about RDF, Resource Description Frameworks, and the Semantic Web. What I've been seeing is that the number of different formats that we have to support in order to aggregate has multiplied. There's RSS, there's a similar format called Atom, then there are things like application programming interfaces, or APIs, that are specific to individual applications. Often these produce data in something called JSON, JavaScript Object Notation. You don't need to remember this stuff. I just want you to see that there's a bunch of different formats. So we developed something called Scrapy. Well, we didn't develop Scrapy. What am I saying? Other people developed something called Scrapy, or Scrapy, depends on how you pronounce it, which is a Python framework for aggregating content of different types, whether it's from websites, from RSS feeds, from Twitter or Facebook, from JSON, from application programming interfaces, etc. So we set it up, we set up a version of this, and we have little aggregators for each of the different types. We used Scrapy to build something called BYARD at NRC. Why did we do that? Well, I have a site on my server called MOOC.ca.
because, you know, I was involved in MOOCs. What MOOC.ca does is it aggregates or brings in information about MOOCs that are being offered around the world. So you see an illustration there. So you can see a MOOC from Zhutang X in China. There's also MOOCs, so it's kind of hard to see because the image is small. But you see Future Learn in there. You see edX in there. Now, MOOC.ca uses Grasshopper for the website. Grasshopper, of course, is the thing that I built for MOOCs. But it uses BYARD as an aggregator. I know, lots of different software applications being juggled around, right? What I also want to do, because as Gilbert and others have talked about, there are repositories of open educational resources all over the place. I want to use MOOC.ca to aggregate resources. But the idea here isn't just to have a website where you can find resources. That's been done, right? And that is probably, you know, the state of the art 5 years ago. In the future, we're going to want to take this and feed it forward into other applications. And that's what the bulk of this talk is about. So here's an example of that sort of thing. You've probably heard of open data, right? So governments, the United Nations, educational agencies, companies, they publish their data. Might be geographical data, might be employment data. You know, we have a project where we're gathering data about jobs that are available for people and the competencies involved, etc. They make this data available, usually through an API, usually in the form of JSON, but it varies. And they make it available. Well, open data is something that can be thought of and should be thought of as an open educational resource. Now, sure, it's not pedagogically oriented, it doesn't have learning scenarios, but it's incredibly useful for learning. And this paper that I cite here, Open Data as Open Educational Resources, Case Studies of Emerging Practice, from a couple of years ago, talks about five projects that do exactly that. There's a civic engagement project in Italy that uses open data, an introduction to programming assignments, so aspiring computer programmers use open data to practice with, article level metrics, so they look at open publication archives, look at the reading statistics, and do things like, oh, this article was read most of all on Wednesday if it was shared on Facebook. But if it was shared on Twitter, it's read most of all on Tuesday. Go figure. Geodata and land walks in Wales. So somebody, you know, I mean, again, this is the idea of open data being used to create an open educational resource that is of practical value in the community, in this case, Wales. And open data for sustainable development. These are actual projects that exist now. So let's take this all a step further. This is something called CodePen. I'm not sure if you're familiar with it, but basically the idea is it's a website. You can go to it with your web browser. And it shows three windows on the top, HTML, CSS and JavaScript, and what you do is you type in the code, and then whatever you typed in will play in the window below as though it were a website. So you can change the code and it changes in real time. So that's a really fun thing to play with, but what people do is they prepare a code pen, or they just call them a pen. So I've prepared a pen, right? And they use it to share their ideas. And there are directories and repositories of CodePen addresses. And people use it to illustrate a programming technique, to show, well, this thing is Saber. I can't play it because I don't have time.
but if you hover over the saber, little lightsabers come out. It's very cool. And so these are open educational resources, aren't they? They are explicitly used for teaching purposes, but they're not what we would normally think of as an open educational resource. It's a website plus the programming in the background of the website that makes it work, plus whatever code the person has put into this. So you're actually getting content from a variety of locations. Taking it a bit further, because that's the way this talk works, there's a thing called IPython and Jupyter Notebook. Now, Python is a programming language with a very bad name. IPython stands for Interactive Python. So it's the same concept we just saw. You have a window, and on one side you have your Python code, your program that you're writing in Python. And on the other side, you see the results of that program display in real time. So program, 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 hit run, boink, and your program runs. It's really useful. It's especially useful for learning how to program. I learned how to program Python at a site called Codecademy. I should have put the link to that in there. And Codecademy, basically, on the left-hand side, it gives me instructions, then it has me do some code, then it shows me where I went wrong. Or if I was successful, it shows the successful code. Again, it's an open educational resource. Just as an aside, people talk about licensing all the time. The licensing question here becomes absurd and ridiculous, right? It's, you know, the idea of open educational resources as the chapters in a book that you bring together or the lessons in a course that you bring together, this doesn't resemble that really anymore. Now, taking this a step further is a thing called Jupyter Notebook. It's again Python. It's interactive Python, but basically what it is a notebook or a website that looks like a notebook. And you have text, just like you would normally have text, but then you have, they call them cells, a cell with some Python code in it. And then you have right below the cell the results of the Python code. And so now you have a way of distributing a resource that can provide instruction, shows the code right there, and then It shows the results of the code. Now, you want to follow this link. You'll get these slides later. So you'll be able to follow all of the links on these slides. You really want to follow this link. It's a gallery of Jupyter notebooks. That on the right is just a small snippet of them. That on the left is an example of and just a clipping from a Jupyter notebook. There you see the code, and there underneath the code is what results. The code is programming that will draw that lion. Now, what's really interesting is the Jupyter notebook has Python code. This Python code reaches out to a third party for open data. What this code did is it reached out for open data, how to draw a tiger, brought that data in, processed it, and rendered the tiger right in the notebook. Change the location, you get a different animal. Jupyter notebooks exist for all kinds of data processing tasks that you can practice and show just by working with the notebook. These are not simply tasks that have to do with computing. You're working with real data on real problems. You can use, for example, a Jupyter notebook to run a scenario about the environmental impact of, say, a plant proposal or a civic ordinance, because you have all of the data and you have functions that process that data. I could spend the rest of this talk talking about Jupyter notebooks. Please follow this link. Now, the neat thing about Jupyter notebooks is
I can run them on my computer. I can run them all by myself. There's different ways of doing it. I can download and install Python on my computer, which is what I've done here. If I had more time, I'd be opening them and showing you. Or I can go to a website, which is a Jupyter Notebook Viewer, and look at the notebooks on the web using somebody else's instance of Python. So they're very accessible, but they're accessible not simply over the web. They're accessible in the sense that this would work even without an internet connection, because all you need is the Jupyter Notebook, the code, and the data, and if you have that locally, it will all work. So now that's beginning to raise some interesting ideas. Why do we think open educational resources would only be used in virtual learning in a learning management system on the web? They could be used anywhere. After all, it's all about this networking, right? So let's take this further. This is the Actionable Data Book. It's something created by, it's a standard being created by IEEE, the Learning Technology Subcommittee on which I sit, is working on this now. And it's working with EPUB3, which is an internet publishing standard. The idea of the Actionable Data Book is that you can use mobile technology, analytics from your actual day-to-day experience, plus rich media, and deliver this through an interactive book. So now you have something on your mobile device that interacts with the environment around you that produces a book that does things or that you can do things with. This is, you know, a step beyond what we normally think of as a learning resource. It's not just a video. It's not just some text. It's actually a fairly complex piece of computer code. That's why you want your students to create it, because otherwise it'd be really expensive. So now we move forward to something called XAMPP. My sample is on this USB stick, which I happen to have just handy. I have a fully functioning Apache web server, a database, and programming languages, including Python, Perl, which is my favorite, and PHP. I can run anything on this. I could, if I wanted, I don't know anything about this computer, but if I wanted, I could close the presentation, go to this, and start up Moodle or whatever right here in this computer without an internet connection. So this is the idea of coding resources in a box, or educational resources in a box, so that we can deliver these things without, again, having to have internet resources. Now, one application, which I'm sure you've thought of, is for places where there's no internet. But it's just handy to have your own web server when you're walking around, because you don't always have your computer with you. But if you have your web server, any computer is your computer. So I said you can run Moodle on it. There's a project called Spoodle. This is something that other people did. I've been playing around with it because it's fun. I have Spoodle on here as well. Spoodle is an up-to-date portable installation of Moodle. So you can set up an entire learning management system as an educational resource. Now again, this is not what you were thinking of as an open educational resource, right? You're thinking of a bit of text or a video or a picture or animation. I'm thinking of a complete web server with Moodle, with a database that can be used for some specific thing, whatever it might be. And I could make that as precise as I want or as general as I wanted. So that works, that exists now, you can use that now. So, taking all of this a step further, because that's what we do, right? I've been looking at running these applications in other applications.
because that's what portability buys us. Here's a simple example. I use the Firefox web browser. The Firefox web browser runs extensions. So I created an extension, it didn't take me too long, that will run Grasshopper. That's the application I built to run MOOCs, right? It's also the application I use for MOOC.ca. I run that in a sidebar in Firefox. So you can see, here's Firefox. Here it is loading. Here it is running in the side. And so now what I can do is I use Grasshopper to aggregate stuff. It shows up in the sidebar. I click on something in the sidebar. It shows up in the main part of the browser. Then I can write something. I can use it to create a new resource. I can do whatever I want because I have Grasshopper in my sidebar. So that's kind of handy. Wouldn't it be great if I could do all that on a stick? Well, to a large degree, I can. But there's other ways of doing this. This is a browser called Vivaldi. And Vivaldi has all of the sidebar stuff built in. So I did not have to write an extension for this. All I had to do is type in the information about Grasshopper. Now I have Grasshopper running in XAMPP. So when I'm browsing in Vivaldi, I use my stick to give me my application and then the live internet data to give me whatever I'm using as my live internet data. You see how things are getting complex, right? We've got different things on the go here. Again, licensing and things like that, these questions sort of become irrelevant. A lot of the things about, you know, it must be CC BY. I look at that and I say, well, what part of it? Because there are so many different parts of it. Does it all have to be? In fact, it all works no matter what the licensing is. The important thing here is I can access it. If I can access it, I can do stuff with it. Why worry just about web browsers? Here's Microsoft Word. Now, Microsoft Word has a relatively new feature which allows you to put references and research materials in a right-hand sidebar. And it's this resizing has made it a little off there, but you can see it in the right-hand sidebar. So this is a paper that I'm writing. I'm writing about a project that I did, but in the sidebar I have my research. This is all of my research from previous papers that I've written in Word. So it's a bit limited, right? But it's still quite a bit of stuff. And so I'm able to just drag it and it creates the reference for me. No typing of references or anything like that. And it's, I can search through it. I can look for new resources. I can use Bing and search the web, etc. What I want to put there is Grasshopper or something similar so that as I'm working in Microsoft Word, I have all of my open educational resources right there that I can use and drag in. That would work really well in PowerPoint as well. That would work really well in Excel or any application. This is a general thing, right? Right now it's just Word. But tomorrow is going to be any application we're working with, we will be able to access our resources that came from wherever. Data streams, papers, multimedia, even YouTube videos, whatever. Now, let's get messy with this, because we've got all of these applications. All of these applications run on different platforms. And I've learned from hard experience, if you try to run them all on the same computer in the same operating system, you crash your computer. This is not good. But if I could run them each in their own individual box, then
I can run them, and if one of them crashes, no problem, the rest of them still work. This is a solution that has been adopted by enterprise computing people for many years. This is old technology, which means by now it's really stable and well-known technology, and it's just now moving from your internet service provider to your desktop. So, Mac users will be familiar with Parallels. Parallels creates a virtual image of a Windows computer on a Macintosh. They really need that because they have a Macintosh and they suffer so. I'm just kidding. Another option that they have had to run, say, Linux, and people using a Windows computer can run Linux using something called VMware. VM for virtual machine, right? Oracle produced their own version called VirtualBox. Microsoft computers now have something called Hyper-V. It's actually built right into the operating system, but you don't always have access to it. You have to get a Microsoft server computer, not just a Microsoft home use computer. Or for my computer, to access Hyper-V, I had to get Windows 10 Pro rather than Windows 10 Home. But if I have a home computer, I can run VirtualBox and then I'm okay. So I can run VirtualBox on my computer and pretend that it supports Hyper-V. I know, it doesn't make sense, does it? And then there's an open source version of all of this called Zen Server, which does basically the same thing. So think about this. You have a computer, and then in your computer, you have a software-defined second computer. So on my Windows machine, I can run Apple, or I can run Linux, which is what I do. I can, in fact, set up my whole other computer, you remember the one with XAMPP, with my web server and my database engine and my Perl and my Python. So I take all of that, I put it into my Windows computer in a box using server virtualization. So now that's getting pretty handy. In fact, I do use that. I use that so that I can run many different types of Python, many different very special application programs, data processing, whatever. So, to make that work, what I use is something called Vagrant. Vagrant is a piece of software that tells my computer how to deal with a virtual box. I know. So, or you can just remember it like this. Vagrant plus a virtual box is like your own computer, your second computer on your computer. So the nice thing about Vagrant is, here's what I do. I download an image, a Vagrant image from the web. Then I type a command that basically is Vagrant up. And Vagrant will use VirtualBox and launch this image. So now, again, I have an entire computer, server, database, everything, as a very easy-to-access open educational resource. And there are, even now, as I speak, and in fact for the last number of years, repositories of Vagrant images or boxes out there on the web, so I can download and run a fully defined instance of WordPress or a fully defined instance of Moodle or natural language analytics. No formatting, no configuring. I just download it and run it. Now that's a pretty nice resource to have. Computer science professors know all about this because if they're teaching their students, say, how to build a neural net,
which is going to require 5 different pieces of software all set up for a specific computer, they don't do that. They just download a single image, put that image on all of the computers, and then they have the students run Vagrant up, and they're set. It takes about 2 minutes. 2 minutes if they're slow. Okay, so here's an example. Scotchbox is a box that I like. It makes me think of scotch. So what it does is, well, it's an example of this web server in a box. I download and run. I just type Vagrant up, and up comes my Scotchbox, and then I go to my web browser, and I type in this address. This address will not work on your computer. It only works on mine because I'm running Scotchbox. If you ran Scotchbox, then this address would point to your virtual computer. So Homestead is another one. Homestead is more configurable. They'll show you the whole installation script, and you can customize that however you want. Pretty good, huh? This is the new world of open educational resources, but we're not done. So, anyhow, Vagrant is in itself a pretty good learning environment. So we don't really need the learning management system so much for this. But so here's what this project has done. This is from Tony Hurst at the Open University, who I will say is way ahead of everyone on this. You want to learn about how to make all of this work, talk to Tony Hurst. He's the guy to talk to. So he's got something here, one of his many things, distributing virtual machines that include a virtual desktop for students. And on that desktop, they have Jupyter notebooks preloaded with all the notebooks that they need for that class. So what we've got is open data being used by Jupyter notebooks that are being run in a virtual desktop in a virtual machine on the student's computer, and it doesn't matter what the student's computer is, it'll run on anything. It'll run on this, it'll run on this. I don't know if it'll run on iPad, I've never tried that, but it will eventually. Eventually it'll run on your phone, it'll run on your watch, but I don't think we're quite there yet. It's coming. The problem with Vagrant and VirtualBox is you have to bring in an entire computer stack. But I use a bunch of different applications. I mentioned I use ScrapePy, a Python application to aggregate data. I have Grasshopper, which is in Perl. I would like to run some natural language processing for my input, which is in another Python, but a different version of Python. I can't put them all in the same box. The solution for that is called Docker. What Docker is it takes all the different pieces of your application and gives them each their own separate self-standing container. So I can have my database in one container, I can have my web server in a container, I can have my aggregator in a container, I can have my natural language processor in a container, and then I connect them all up. Docker is what made Coursera possible. Docker is what made edX possible. Not open edX, but the real edX that they use for 100,000 students. Because in the back end, they use Docker. The thing with Docker is if you're using these containers, if you get a lot of people, you just add another container. If your database is overloaded, you just add another container. So you can scale using Docker. And it's all on virtual machines. So there's no problem with scaling. So Docker has been widely used in the last 4 or 5 years. I guess 4 or 5 years. Canvas, which is a learning management system, they have a Docker image. So you could
download the Canvas Docker image and run it on Docker. You install Docker on your computer. You basically run what they call a Docker file, and it will grab all the components that it needs from the World Wide Web and organize a bunch of containers for you. Or you can run Big Blue Button in Docker. Big Blue Button's a special case because it's an online conferencing, piece of online conferencing software. It takes a lot of resources. Best to put it in its own container. You can run Moodle in Docker. Of course, why not? You run Moodle anywhere. That gives you a lot of options, right? So here's Bitnami, which is a software distributing service that will allow you to run Moodle on Docker, or you can run Moodle on something called Kubernetes, which is another thing that does the same thing as Docker. Now, most of the time, we're talking about running these things on our own computer. But if we don't have our own computer, or we don't want to invest I get a cloud infrastructure provider. So Amazon Web Services is, as you can see from the chart, the major cloud infrastructure provider. But there's also Azure from Microsoft, Bluemix from IBM Cloud, Google Cloud, Oracle Cloud, and if you go and you talk to Jim Groom, remember Jim Groom of DS106? He has his own. But that's what he runs Domain of One's Own on. Cloud computing has clear applications in education. As I mentioned, it's used for Coursera and edX. Code.org uses it as well. This, again, is the secret behind these MOOCs. And these containers are, again, open educational resources. So a single Docker container containing a database of, I don't know, demographic data or geographical reports, seismic surveys, whatever you can think of, that's an open educational resource. You can make just that database available as a container that anybody can move and make part of their own application. So, and now we're seeing today applications, things like mobile learning for augmented reality learning, using this kind of distributed framework to create serious mobile games. Because it's run in the cloud, you can access it off your mobile phone. He's got 18 seconds, I have 26 seconds. I'm taking the 26 seconds. Here's an example of what advanced distributed learning is doing, using similar approaches to capture and record learning activity data using something called XAPI or Experience API. It goes back to this idea of aggregation and application programming interfaces. Right now, here's a link to a study, Docker Images to Build Open Educational Resources. Right now, here's a link to Creativity in the Open workshop that took place about a week ago in British Columbia. That's Christina Hendricks again. Right now, there's a thing called UHack Weekend where they're messing around with this stuff in Tasmania. So this is state-of-the-art right now for the creation and distribution of open educational resources. And that's where we stop. But you can only imagine what the future will be. These slides, this presentation, and with luck, the video of this presentation, with even more luck, the audio of this presentation, will all be available on my website at www.downs.ca. Thank you very much.
Thank you very much for your presentation. It's very, very interesting for me, especially because I'm I'm a professor in the National Institute of Computer Science, and my specialty is the security, computer security. So it's very interesting. The first part of your presentation is about coding platform. And I think this platform use Ajax, I think, or Web 2.0, interactive coding platform that is very useful in learning and e-learning. And the second part, just remark, and last, and in my last intervention, I ask you a question. So the second part is about virtualization. I think that you told about VirtualBox, VMware, Xen, etc. And Docker has a very technology to virtualization. So Docker, I think, is very interesting as a container that we use to code, and like Docker Compose, to compose, for example, WordPress, Apache, and database, etc. But my question is about security. So this is the problem, because the image and in Docker and the container, this image are not all official. So we can put some content, very vulnerable content, and this could be in e-learning some flaws or some kind of mistakes in our operating system. So what about security? So yeah, there's always security. I mean, your observation is exactly right. There are unofficial and potentially insecure containers out there. One of the things I like about server virtualization generally, and even the code pens and things like that, is that the application and the interface is sandboxed from the rest of your computer. So there's only a limited set of interactions, and a set that you define of interactions from the Docker container to your computer. So that limits the risk. It doesn't eliminate the risk, but it limits the risk. The second part of it, of course, is what is needed, and certainly is part of the picture, is a mechanism for signing and verifying these boxes so that when you're receiving a distribution, you know that you're receiving the distribution from a source that you trust, and you can know it because it's digitally signed. So I think that's the best I can say about security now, but it's a very large topic. Moodle is not official. Oh, yeah. I don't think there's an official Moodle Docker image, but I know people are messing around with it. So. Hello, this is Ihab from Libya. Thanks for your rich presentation. This is Ihab from Libya. I would like to thank you for your rich presentations. What you have mentioned that we know that OER for simple users, and these users maybe they are not IT oriented, so they hard for them to do with the XAMPP and VirtualBox virtual machine and install Apache and MySQL, for example. So what I am asking is there a turn-in solution that can be used for learning management systems like Moodle or Blackboard or directly to provide offline learning management systems? You know that only OER can be accessed online now.
and there is a lack of internet access in most of the countries. Thank you. Yeah. I want to say not yet. The Spoodle that I talked about on the USB, that exists. The things like VirtualBox and Docker, it's more difficult to run them. I mean, you run them on a computer, but it's more difficult to just have a plug-and-play version because they have to install some software on the computer to run. So my thinking, though, on this, on the whole ease of use question, there's two parts. The first part is, this is a lot easier than it would be without it. If you can imagine trying to set up each of your students' computers to do data analytics, for example, it'd be impossible. Well, not impossible, it would take you all year, right? It would be very complex. So this is a lot simpler than that. Secondly, I think that if we can get to the point where it's part of the operating system, like Hyper-V is with Windows, then it'll simply be a matter of you bring in the container, you double-click on the container, and boom, a whole new computer runs, no matter what computer you're using. That's probably, in the next few years, we're probably going to see that. And then that'll provide the ease of use that you're looking for. It's still a bit in the future, though, I would say. On the learning management system side, they're trying to do the same kind of thing with LTI, Learning Tools Interoperability. But I think that's, it's good for large learning management systems, not nearly as useful as for a simple personal desktop. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là. Instruction des organisateurs. Donc, merci à tous aux deux conférenciers. Merci beaucoup. Et donc, quelles sont les instructions pour la pause? Est-ce qu'il y a une pause ou il n'y a plus de pause? Ah, il y a une pause quand même. Bon, vous avez de la chance. Ah, 20 minutes. La chance, 20 minutes.